Le prof d'allemand est sur YouTube présente Bonne Scheiße Bingo où nous allons analyser quelques mensonges véhiculés sur l'Allemagne sur Internet. Le premier tweet est celui-ci. Qui prétend qu'un député allemand touche 3500 euros par mois et qu'il y a deux fois moins d'élus au Bundestag qu'à l'Assemblée nationale. Déjà pour cette deuxième partie, il suffit d'aller sur le site du Bundestag et on voit que la Chambre basse allemande compte 709 représentants, pendant que sur le site de l'Assemblée nationale, on voit que leurs homologues français sont 577, donc 332 de moins. Revenons désormais sur l'information principale un député allemand toucherait 3500 euros par mois. Encore une fois, un simple détour par le site du Bundestag permet de constater que le salaire officiel, fixé au 1er juillet 2018, est de 9 780 euros et 28 centimes, largement plus du double du nombre prétendu. Penchons-nous ensuite sur ce visuel qui tourne depuis un moment sur Facebook et sur Twitter. Déjà, le visuel est bourré de fautes, dont celle-ci où Merkel est écrit avec CK. Mais nous allons nous concentrer sur un élément en particulier et c'est le tout premier. Alors que la France aurait un président de la République, un Premier ministre, 25 ministres et 9 secrétaires d'État, l'Allemagne n'aurait qu'une chancelière et 8 ministres. Pour commencer, c'est oublier que l'Allemagne a aussi un président fédéral. C'est lui-là, Frank-Walter Steinmeier. Donc Angela Merkel n'aurait que 8 ministres. Voici la composition du gouvernement allemand disponible sur le site de celui-ci qui est traduit en anglais et en français. On compte donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Le gouvernement allemand compte donc. 15 ministres en plus de la chancelière. Le visuel parle également des secrétaires d'État français mais pas de ceux du gouvernement allemand. Chaque ministère en a, la chancellerie incluse, qui en compte 4. Une secrétaire d'État à la culture et aux médias, une ministre d'État à la digitalisation, une ministre d'État à la migration, les réfugiés et l'intégration et un ministre d'État coordinateur du gouvernement fédéral à la déconstruction de la bureaucratie et un meilleur processus législatif. Viennent s'ajouter à tout ce bon monde le porte-parole du gouvernement dont c'est la seule fonction et ses deux adjointes qui le conseillent et peuvent le remplacer. Si on actualise donc ce visuel du côté allemand, ça donne un président fédéral, une chancelière, 15 ministres, 35 secrétaires et ministres d'État, un porte-parole et deux porte-paroles adjointes pour un total de 54 personnes. Cette vidéo n'est pas là pour donner un avis sur les bienfaits d'un système ou d'un autre, mais seulement pour éduquer sur le réel fonctionnement du gouvernement allemand. Si vous voulez en savoir plus, je pourrais éventuellement pousser ce décryptage plus loin, mais je voulais surtout mettre en avant la vérité autour des élus et représentants de la République fédérale d'Allemagne. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Bis bald.